Oh, hello! Nous sommes le 19 mai 2021, jour historique. Réouverture des boutiques, des terrasses, des restaurants, des musées, des cinémas, des... La vie reprend. Je peux vous dire que je compte les heures depuis des semaines jusqu'à ce jour, que je vais déjeuner dehors aujourd'hui, que tous mes déjeuners sont réservés jusqu'au 4 juin. Je suis complètement à fond, je suis vraiment hyper contente. D'abord parce que je suis ravie d'aller au resto, mais je pense surtout parce que dans mon métier, beaucoup de rendez-vous, moi comme je n'ai pas de bureau et que je ne vais pas forcément dans les bureaux des gens avec qui je travaille, la plupart des rendez-vous se font autour d'un déjeuner. On fait des déjeuners de boulot tout le temps. Et donc depuis un an, je n'ai pas fait de déjeuner de boulot du tout. Il y a des gens avec qui j'ai travaillé au cours de cette année que je n'ai jamais vu en vrai. Je ne sais même pas quelle tête ils ont. Enfin, elles ont en l'occurrence. Donc je suis hyper contente, toi. Donc j'ai des déjeuners tous les jours. Donc là, on est mercredi. C'est dommage qu'il ne s'est pas ouvert lundi. Ça aurait fait un peu plus de contenu. Et puis ça aurait été plus sympa de commencer dès lundi. Mais bon, bref, ils ont décidé de faire ça un mercredi. Mais je vais vous filmer les trois jours de la semaine, parce que j'ai des trucs tous les jours, donc je vais vous filmer ça, parce que c'est joyeux et que ça mérite d'être documenté et gardé en souvenir. Donc je vais vous emmener avec moi, aujourd'hui je déjeune avec une amie, et on va au Ralph, qui est peut-être mon resto préféré à Paris. C'est le resto de la boutique Ralph Lauren de Saint-Germain-des-Prés, et vous allez voir, cet endroit est un rêve. Alors bon, il pleut des hallebardes, enfin pour l'instant non, mais ça va venir. Donc ça va être un petit peu compliqué, mais moi je suis prête à tout. Je suis prête à y aller avec des bottes et un parapluie s'il faut, mais je déjeune dehors, quoi qu'il arrive. Donc je vais voir comment ça se présente quand il pleut des hallebardes, mais c'est tellement joli, c'est tout le charme de la côte est américaine, c'est chic, c'est pas too much, j'adore cet endroit, le personnel est adorable, j'adore cet endroit, j'y retourne la semaine prochaine hein, d'ailleurs. Donc voilà, donc je vous emmène avec moi. Enfin, on va pouvoir sortir de cet appartement et filmer ailleurs. C'est parti. Le cinéma est ouvert. Et voilà. Eh ben, j'ai bien fait de réserver, hein, parce que je vais pas être toute seule. J'adore cet endroit, vous allez voir comme c'est beau. Et voilà, et on est bien content d'avoir un bon parasol parce qu'il pleut à 100 comme prévu. Donc nous n'allons pas être 3, nous allons être 2. Mais là on est très bien protégés, c'est parfait. Regardez-moi ça comme c'est joli. Oh, c'est génial. J'adore cet endroit. Alors, qu'est-ce qu'on mange pour ce premier resto depuis 7 mois? Eh bien, de la salade César, parce qu'ici elle est trop bonne. Et des lobster rolls, parce que quand même, c'est l'Amérique. Et c'est trop bien. Voilà. Avec de la châtel-don, qui est mon eau pétillante préférée. Et Julie a pris des lobster rolls aussi. Génial. Me revoilà. Mon Dieu. Eh bien, on a eu froid, mais ça valait la peine. Il tombait des hallebardes toutes les 30 secondes, le temps qu'il fait cette semaine, quoi. Vous voyez, c'est complètement n'importe quoi. Mais alors, on était tellement contents d'être là que c'était pas grave. Puis on était sous des parasols quand même. Donc, on avait prévu le coup, on avait des bonnes chaussures, des écharpes, tout ça. Oh, j'aime tellement cet endroit. C'est tellement, mais tellement joli, quoi. C'est tellement joli. On disait avec Julie, c'est ma plus ancienne amie. On se disait, mais toutes les deux, on se disait qu'on rêvait d'avoir une maison dans les Hamptons. Vous savez, avec les bardages en bois, les hortensias devant et tout ça. Et que quand on était là, ça nous donnait l'impression un petit peu. Voilà. Donc, je suis chez moi, je fais ma comptabilité. Ah bah oui, retour à la vraie vie. Et puis, demain, je vous emmène ailleurs. Oh, hello! Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Et je suis hyper contente parce que je vais enfin rencontrer une attachée de presse avec qui je suis en contact depuis un an et on s'entend hyper bien. Je ne l'ai jamais rencontrée. Voilà. Donc, je sais qu'elle était là, mais ça s'arrête là. Donc, je vais pouvoir la reconnaître. Et on va aller déjeuner au restaurant de l'hôtel Hoxton.
que j'adore parce que d'abord c'est un patio, donc il n'y a pas de voiture. C'est un espace extérieur qui est à l'intérieur, donc on n'est pas gêné par les voitures. Et j'aime beaucoup ce qu'ils font à manger. Ils ont notamment des frites à la truffe. Alors ça, toutes les deux, quand on s'est dit où est-ce qu'on va déjeuner, tout ça, toutes les deux, on a dit le Hoxton et toutes les deux, on a dit pour les frites à la truffe. Donc on était là, ouh, décidément, on a des tas de choses en commun. Parce que ça fait 7 mois que je n'ai pas mangé de frites. Je pense qu'à partir d'aujourd'hui, je vais en manger tous les jours. Donc voilà, donc je vous emmène avec moi, avec mon téléphone, donc c'est pas idéal. J'ai essayé de le mettre sur une perche à selfie. Pardon, je regarde pas au bon endroit. J'ai essayé de le mettre sur une perche à selfie, évidemment, il tient pas dessus, ça marche pas. Je suis obligée de le tenir à la main. Mais voilà, ça va être l'aventure du jour. Et voilà. Ici aussi, ça fait 7 mois que je suis pas venue. Oh mon Dieu, pas mettre les doigts dans l'objectif. J'adore cet endroit. Vous allez voir. C'est très 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 joli. Regardez. Oh, oh, le retour de la vie. Il y a notamment un endroit qui est très photographié ici, c'est l'escalier. Super joli. Alors, et voilà le patio. Pas de bruit. Parfait. Parfait. Bon, c'est trop cool. Eva est d'accord pour que je la montre. Donc Eva travaille chez Nice Work et voilà, on s'entend très bien et on se voit enfin, on est trop contente. Voilà, donc elle a accepté que je la montre, je suis contente. Et donc Eva a pris un carpaccio et des frites à la truffe. Et moi j'ai pris une salade thaï au poulet et des frites à la truffe. Ça sent bon. Bien sûr. Oui, ça sent bon. Hein. Bon appétit. Et ben voilà, on a encore passé 3 heures à déjeuner. Il pleuvait pas, il faisait pas froid. Oh mon Dieu, ça bouge, pardon. Il pleuvait pas, il faisait pas froid. On avait des milliards de trucs à se raconter. Les frites à la truffe étaient trop bonnes. On a passé 3 heures à déjeuner. On avait vraiment des milliards de trucs à se raconter. On avait du boulot à voir ensemble aussi, hein, bien sûr. C'était un déjeuner de boulot. On a pris notre temps. Voilà, c'était extrêmement cool. Donc, je pense que je vais manger des frites tous les jours. Hein, comme je disais, vu que j'en ai pas mangé depuis si longtemps. Voilà, voilà. Donc demain, je ne vais finalement pas déjeuner dehors parce que je dois déjeuner avec une amie, mais qui a ses enfants à la maison. Donc elle ne peut pas les abandonner et s'en aller manger en terrasse. Donc, j'ai déjeuné chez elle, mais il est possible que je prenne un café dehors après. Donc je vous montrerai. Donc je vais voir. Je vais ajuster selon ce qui va se présenter. Oh, hello! Je suis complètement dans les choux car j'ai dormi 4 heures. Pourquoi? Je ne sais pas. Je crois que toute cette réouverture, là, ça fait trop de choses en même temps. J'arrive plus à gérer. Aujourd'hui, je vais déjeuner avec mon amie Patricia, que celle d'entre vous qui lisent mon blog connaissent, parce que de temps en temps, elle écrit sur mon blog. Et bah, on va essayer de trouver, on va aller au petit bonheur la chance en terrasse, parce qu'on peut réserver nulle part. Donc, c'est un petit peu pénible. Donc, on n'est jamais sûr de trouver de la place. Et donc, on va y aller tôt, on va y aller vers midi, midi et quart. En se disant, là, on devrait s'en sortir. Je pense que je vais encore manger des frites. Je pense qu'il va me falloir pas mal de frites pour rattraper tous ces mois sans frites. Donc voilà, je vous emmène. Alors, nous sommes place Victor Hugo. Je suis avec Patricia. Voilà, donc vous la connaissiez par écrit, vous la connaissez maintenant en vrai. Et donc, on mange de la viande et des frites. Parce que c'est ça qu'on veut. On n'en a pas mangé depuis 7 mois. Patricia, elle a pris un demi parce que... Voilà, elle ne pouvait pas avoir de bière pression chez elle, dans sa maison. Donc elle est trop contente. C'est le pied. C'est le pied, c'est le pied. Bon, je me suis dit que j'allais vous donner un petit aperçu de l'Arc de Triomphe. Ça n'a rien à voir avec la choucroute, mais c'est sur le chemin pour rentrer chez moi. Donc j'espère que vous allez entendre quelque chose, parce que c'est la place la plus bruyante de Paris. Voilà. Voilà, c'était la minute touristique. Et je suis de retour dans ma maison. C'était bien bon. Genre de choses qu'on ne fait pas du tout chez soi. Enfin, moi, je n'ai pas d'enfant, donc je n'ai pas de friteuse. Peut-être qu'il y a des gens qui ont des friteuses sans avoir d'enfant, mais dans mon esprit, ça vient en package. Mais donc la bonne viande avec les frites, là, bien, bien sympa. Et je réalise que hier... Donc Patricia, vous la connaissez, ceux qui lisent mon blog la connaissent parce qu'elle écrit de temps en temps des chroniques, ça s'appelle les chroniques de Patricia. Donc
qui sont donc sur mon blog, parce qu'elle écrit super bien. Et je réalise qu'hier, quand je vous ai présenté Eva, qui travaille chez Nice Work, je vous ai dit, Eva travaille chez Nice Work, et puis j'ai continué comme si c'était évident pour tout le monde ce que ça voulait dire, alors que en fait, à part les deux influenceurs et demi qui vont regarder, ou les deux youtubeurs et demi qui vont regarder cette vidéo, personne ne sait ce que ça veut dire. C'est-à-dire que dans les relations publiques, la communication, les relations presse, les relations publiques, pour les marques, il y a deux façons de faire. Soit la marque a quelqu'un en interne qui s'occupe de ça, donc des relations avec les journalistes, avec les blogueurs, avec tout ça, qui s'occupe des outils de communication de la marque, qui fait les dossiers de presse, qui envoie les produits, etc. Soit elle délègue ce travail à une agence qui s'occupe de, généralement, plusieurs marques. Et donc Nice Work, c'est une agence qui s'occupe, qui regroupe plusieurs marques. Et ils ont plein de marques hyper sympas. Ils ont Fenty Beauty, ils ont Charlotte Tilbury, ils ont Olen Rickson, enfin ils ont vraiment plein de marques sympas, et du coup j'ai des rapports très, très réguliers avec eux. Et Eva, ça faisait donc un moment qu'on avait on discutait de pas mal de choses, mais on ne s'était jamais vus, donc voilà, donc ça me permet de vous préciser comment ça se passe dans la communication. Sur ce, nous sommes donc vendredi. Je vous dis, mes déjeuners sont réservés jusqu'au 4 juin, donc j'aurai clairement de quoi montrer des trucs tous les jours. Seulement, ça ferait une vidéo dans 3 semaines, donc ça ne va pas. J'ai bien conscience que la vidéo là va être monstrueusement courte, parce que bah, il n'y a que 3 jours, donc ça fait très très peu de choses, surtout que bon bah voilà, le but c'était juste de montrer les terrasses et la vie un petit peu parisienne. Surtout qu'en plus, moi, pour moi, la réouverture, c'était juste les restos, parce que je ne consomme pas la vie culturelle, donc du coup, je ne suis pas allée au théâtre, ni au musée, ni au cinéma, ni rien de ce genre. Du coup, ça fait encore moins de choses à montrer. Du coup, ça fait une vidéo hyper courte, surtout que ça a commencé mercredi. Encore, s'ils avaient commencé lundi, j'aurais pu vous montrer plus de trucs. Donc, je suis un petit peu embêtée, parce que ça fait une vidéo hyper courte. Mais si je la rallonge pour mettre plus de jours dedans et montrer plus de trucs, et ben vous n'aurez pas de vidéo dimanche, et... C'est sympa qu'on ait une vidéo dimanche quand même. Donc ça va être un petit peu tronqué quoi. J'espère que vous m'en voudrez pas. J'ai fait de mon mieux pour essayer de... Mais bon, j'avais pas non plus filmé sous le nez des gens. En plus c'est ça, sur les terrasses, dans la rue, dans les espaces publics. Moi j'ai pas hyper l'habitude de filmer dans les espaces publics et donc j'ai pas envie d'embarrasser les gens. Donc bon, du coup c'est très court quoi. Mais bon, dites-moi de votre côté comment ça se passe. Comment se passe la réouverture? Je vais vous dire, à Paris, c'est la fête. Hein. C'est vraiment, les gens sont super contents et tout. C'est absolument impossible d'obtenir une réservation où que ce soit. Ils ne prennent pas de réservation. Il faut se pointer à midi moins le quart, sinon c'est pas possible. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui avec Patricia, on est arrivé à midi 10. Voilà, est-ce que vous avez pris un petit café au soleil, en terrasse, avec un indice, bien un SPF, bien entendu, mais vous voyez ce que je veux dire? Ou mercredi avec un parapluie, parce qu'il tombait des hallebardes. Est-ce que vous êtes allé au musée? Est-ce que vous êtes allé au cinéma? Est-ce que vous avez pris un apéro, une bière avec des copains? Enfin, voilà. Est-ce que vous êtes complètement flippé parce que vous n'êtes pas encore vacciné ou je sais pas quoi et que du coup vous n'avez pas du tout envie de sortir? Enfin, comment vous vivez tout ça? Parce que c'est vrai que c'est. D'un seul coup, ça change énormément, quoi. C'était tout mort et triste, mais du coup très calme. Et puis d'un coup, c'est l'effervescence à nouveau. Donc c'est. Faut s'ajuster, c'est étonnant quand même, c'est un peu étonnant. Voilà, bah écoutez, malgré la courteur, la courtesse, la brièveté de cette vidéo, j'ai dormi 4 heures, j'ai une excuse. J'espère que ça vous plaira. Passez un bon dimanche. Salut les filles et les garçons.